Je m'appelle Yann Bost, je suis peintre depuis très longtemps. J'étais très attiré par l'illustration lorsque j'étais jeune, c'est-à-dire dessiner des gens, des personnes, des situations, des scènes de genre, qu'on appelle. Mon travail s'est défini ensuite comme étant peindre des situations, des milieux. Donc je suis devenu, entre guillemets, un illustrateur et peintre de genre. Étant aquarelliste aussi de formation, je suis toujours à la recherche de cette présence dans la peinture, de cette, ce côté un petit peu spontané aussi dans ma recherche. Pour moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est suggérer une présence, c'est suggérer ce qu'on ressent, une émotion. Pour moi, le trait est très important, très important. Et c'est quelque chose, c'est une écriture, l'écriture d'être soi-même, quelque chose de très personnel. Et en parlant de trait, bon, c'est le trait, c'est le graphisme. Le graphisme, c'est être soi, hein, c'est son écriture à soi. Et la couleur vient ensuite. J'ai eu des influences lorsque j'étais plus jeune, mais je pense que j'en suis sorti. Tout le monde, on a tous été plus ou moins influencés. Entre autres, j'étais influencé par Picasso, je mets tout ça en vrac, par Léonard de Vinci, par Dali, par Géricault. Mais je pense que bien sûr, j'en garde toujours quelque chose, j'ai toujours des références, on a toujours des références. Mais je suis, j'essaye d'avoir une retenue par rapport à de rester neutre. Voilà. Un tableau, c'est un paquet, c'est-à-dire c'est la fin de quelque chose. Un tableau, c'est un rendu, c'est le final, tout un travail en amont. C'est toute une préparation, c'est tout un travail de croquis, un travail de débauche, un travail de recherche. Ensuite, une mise en pratique sur la toile et un tableau pour moi c'est ça. C'est pas c'est l'image qu'on en sort à la fin. On dit un tableau, c'est le tableau. Mais ce qui est intéressant, c'est tout le travail qu'il y a avant. Ah bien sûr, de toute façon, un tableau c'est tout ce qui est c'est de l'émotion, c'est de l'amour, c'est de la haine, c'est tous ces sentiments-là.